بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. Bonjour, nous allons voir quelques interdits cités dans la sourate Al-Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne. Dieu dit, بسم الله الرحمن الرحيم, ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم. Il y a d'autres interdits cités auparavant, mais on va se limiter à ce qu'on a donné maintenant. C'est-à-dire, Dieu, il insiste bien sur le caractère sacré de la vie en général, et de la vie humaine en premier lieu. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Donc, vous n'avez pas, vous les humains, et surtout vous les croyants, vous n'avez aucun droit de tuer. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Parce que Dieu a voulu que ce soit un des interdits les plus forts. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. C'est-à-dire, sauf dans le cas licite. Et il y a différentes occasions où on peut voir ça. إِلَّا بِالْحَقُّ مَنْ قُتْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَمَ لِوَلِيِّ سُلْطَانًا. C'est-à-dire ici, c'est bien limité. Celui qui a été tué, il est vraiment dans son bon droit. مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Et Dieu ne veut pas que la famille ou les proches du mort soient très sévères dans leur, comment dirais-je, demande de vengeance ou de rétribution, etc. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Parce que Dieu, il est du côté du tueur, du mort. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Non. Et même, vous les gens qui sont tuteurs d'un orphelin ou de plusieurs orphelins, vous n'abordez l'argent de ces orphelins-là que d'une façon licite et d'une façon bienveillante et d'une façon sincère. On ne touche pas les yatims illa billati ahsan hatta yablugha shudda, juste pour une certaine période, après qu'il atteigne la puberté, ils peuvent avoir leur argent s'ils sont à bien se conduire avec cet argent-là. Et puis, surtout, soyez des gens de parole. Tenez-vous bien à respecter cette parole-là, cette alliance-là, ce contrat-là. En islam, on ne joue pas avec les contrats. On ne joue pas avec la parole donnée. Donc, on doit être intègre et on respecte tous les articles et tous les items relatifs à ce contrat-là. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. C'est-à-dire, ce que vous allez faire à propos de ce contrat-là, vous serez responsable devant Dieu ici-bas et de l'au-delà. Il peut vous châtier ici ou dans l'au-delà ou dans les deux moments.
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Et puis dans le commerce, surtout le poids et les mesures, etc., il faut être vraiment des gens de bonté, pas les mots tapépines, c'est-à-dire vous voulez prendre plus que votre droit, ou bien lorsque vous vendez quelque chose, vous limitez et vous. C'est-à-dire. Vous ne donnez pas la juste mesure. Vous donnez au lieu d'un kilo, 900 grammes par exemple. Ça, c'est très grave. Et Dieu, il a dit, oui, le mutawin, c'est-à-dire horreur et un supplice énorme, un supplice intolérable à ceux qui se conduisent de cette façon-là. C'est-à-dire cette façon de se conduire dans le monde du commerce et des poids et des mesures, c'est un comportement qui sera bien reçu de la part des gens et de la part de Dieu ici-bas et de l'au-delà. C'est-à-dire la bonne issue, la bonne interprétation, le bon résultat. Voilà, taqfu ma laysa laka bi ilmun inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kull ulaika kana 'anhu mas'ulan. C'est-à-dire n'avance pas des propos incongrus, n'avance pas des délires, n'avance pas quelque chose d'à peu près, que ce soit un témoignage oculaire ou un rapport qui est faussé, tout ça, et votre cœur ne soit pas aussi en déviance. Donc, on attaque pour mener sa cabine, donc ne poursuit pas un sentier qui est plein de pièges et de vos témoignages et de quelque chose qui est vraiment tendancieux. Essayez d'éviter tout ça à toute occasion. On attaque pour mener sa cabine, et le sema, c'est-à-dire que tu vas. Entrer en rapport avec ce que tu as écouté, sama, ou le basar, ce que tu as vu, ou ce que tu as vraiment retenu dans ton cœur, méfie-toi, tu vas répondre de tout ça, de lui, de la vue, et de ce qu'il y a dans ton fort intérieur. C'est-à-dire tu seras un responsable à 100%. Généralement, l'islam, il ne joue pas. Le témoignage, c'est quelque chose de très risqué, méfiez-vous. Donc, voilà, tamshi. C'est-à-dire, all the hearing, all the sight, all the things in our heart, et that is responsive. ولا تمشي في الأرض مرعا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Et lorsque tu voyages, tu te déplaces, etc., ne sois pas un type qui est hautain, qui est vraiment cassant, qui roule les mécaniques. Méfie-toi, c'est pas faisable. En tant qu'un être humain qui croit en Dieu, il ne doit pas faire ça. Voilà, tamshi fil ardi marahan, très à l'aise, très, comment dirais-je, il montre sa musculature, il montre sa poitrine, il montre ses vêtements, et la femme montre ses joyaux, etc. Méfiez-vous. Voilà, tamshi fil ardi marahan, parce que c'est vrai, ces gens qui se conduisent de cette façon-là, il souffre d'un complexe d'infériorité, au moins ça. Et c'est très grave, hein, le complexe d'infériorité, c'est pas quelque chose de bien. Et puis vous, ça peut causer beaucoup de mauvaises évaluations de soi-même. C'est-à-dire, on se surestime d'une façon vraiment très déviée. C'est-à-dire,
tu seras jamais à la hauteur d'aller au fond de la terre. Tu n'as pas les moyens, tu es vraiment un être fragile, un être faible, un être qui n'a pas la connaissance qu'il faut pour ça, en général. Et puis tu ne te lèves pas au-dessus des gens, évite l'orgueil, voilà, évite l'orgueil parce que tu ne peux pas atteindre les cimes et les hautes montagnes. Voilà, c'est-à-dire impossible, tu as une certaine taille, un certain poids, une certaine largeur d'épaule, méfie-toi, tu ne peux pas aller plus loin. Non. Soit toi-même, voilà, c'est simple. Soit simple, soit quelqu'un qui se respecte. Voilà, tu peux dire, ben, tout le tout ce qui a été cité auparavant, et dans le verset qu'on vient de lire, c'est-à-dire les différentes faces noires, monstrueuses, comment dirais-je, factices, tout ça, c'est mal reçu de la part de Dieu, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut éviter à tous les coups. Ces différentes choses-là, c'est bien pour nous de les éviter, de rester dans le cadre de nos vraies dimensions, la dimension d'un être créé. On n'est pas des dieux. Nul ne peut être Dieu sauf Allah. Non, respectons ces différentes directives. Le Coran, il a été révélé pour ça, pour que l'homme se respecte, soit humain, et ne soit pas quelqu'un qui délire et qui va faire du mal à soi-même et aux autres, et la nature et l'histoire. أبرمتم بالصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربكم.